La campagne de salubrité lancée le 3 août dernier par la Première Dame a connu un virage important ce vendredi 18 octobre à Makori. Le maire Abi Raoul, accompagné d'une délégation du ministère de la Salubrité et des ambassadrices de la Salubrité, a fait don d'un important lot de matériel de nettoyage au village d'Anoumabo. Le lot est composé de pelles, brouettes, balais et bacs à ordures. Si j'ai demandé de démarrer cette opération-là à Anoumabo et à Yodan, c'est parce que, qu'on le veuille ou pas, les quartiers où les gens ont un peu de problèmes, à Makori, c'est à Anoumabo, c'est à Yodan, c'est Sikoji. Si vous ne vous négligez pas, il ne faut pas négliger Anoumabo, ni à Yodan et vos quartiers. Chacun doit balayer devant sa porte, être propre. L'entreprise chargée de la salubrité a aussi apporté sa contribution en matériel. Sa directrice générale, Kwadio Emilienne, a enseigné quelques gestes de salubrité aux récipiendaires. Message bien reçu par le chef Gangan Nicodème, qui engage ses administrés à suivre les consignes données par le maire et son équipe afin qu'Anoumabo remporte le trophée du quartier le plus propre et Makori celui de la commune la plus propre. Prochaine étape, le quartier d'Aluodan.